Deus Ex Machina, ou Dieu de la machine, désigne un dispositif d'intrigue par lequel le héros d'une histoire est sauvé d'un terrible destin par l'intervention soudaine d'un dieu. Le terme vient des drames de la Grèce antique, où le dieu était littéralement amené sur scène à l'aide d'une machine telle qu'une grue ou un élévateur. La convention selon laquelle un dieu apparaît sur scène pour sauver le personnage principal a été popularisée par Euripide il y a plus de 2500 ans et a continué à apparaître au fil des siècles, même chez Shakespeare, qui fait apparaître Hymen, le dieu grec des cérémonies de mariage, à la fin de Comme il vous plaira, pour marier les héros de la pièce et conclure ces étranges événements. Ce procédé est encore utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, au lieu qu'un dieu intervienne pour sauver la situation, un événement, un objet, un personnage ou une capacité miraculeuse surgit de nulle part pour sauver la situation. Pensez par exemple au terrible martien invincible de la guerre des mondes de Wells. Abattu non pas par l'artillerie combinée des armées du monde entier, mais par de simples bactéries. Ou encore le T-Rex à la fin de Jurassic Park, surgissant de nulle part pour sauver les héros des Vélociraptors. Il ne s'agit pas seulement d'histoires que nous nous racontons. Elles sont le reflet de nos pensées sur le monde. Elles révèlent nos désirs et nos croyances, et elles créent des attentes quant à la façon dont le monde fonctionne réellement. À la fin, quelque chose surgira de nulle part pour aider les gentils à gagner et à vaincre les méchants une fois pour toutes. C'est toujours comme ça que ça marche. Non ? Sure, Jan. Il y a 2500 ans, ce quelque chose était un dieu. Mais dans le monde moderne, nous sommes trop sophistiqués pour croire qu'un dieu va débarquer et sauver la situation. Non, aujourd'hui, le Deus Ex Machina n'est pas un dieu. Le plus souvent, c'est un politicien. We don't want John or Dean or Harry. Let's do that big job right. Let's get in step with the guy that's hep. Get in step with I. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner and beat the drum. We'll take Ike to Washington. We got to get where we are going. Travel day and night for president. Let Adelaide go the other way. We'll all go with I. You like Ike, I like Ike. Everybody likes Ike for president. Hang out the banner. Now is the time for all good Americans to come to the aid of their country. Black Rod on her way to summon the MPs. The monarch's representative. And in the tradition, we'll have to knock on the door of the House of Commons. Close the door! Mr. Speaker, the Queen commands this Honourable House to attend Her Majesty immediately in the House of Peers. Depuis que l'ère des rois et des reines a cédé la place à l'ère des présidents et des premiers ministres, un public de plus en plus laïque a cessé d'attendre une intervention divine pour sauver la nation de la calamité et a commencé à prier pour le salut des demi-dieux de l'ère moderne, les hommes politiques. À chaque cycle électoral, le public entend dire que tel homme politique délivrera la nation de ses maux économiques, ou que tel autre redonnera à un pays sa grandeur d'antan. En 1916, Woodrow Wilson a été réélu à la présidence des États-Unis grâce au slogan populaire de sa campagne « Il nous a évité la guerre ». Mais comme tous les sauveurs politiques présumés de l'ère démocratique, où les concours de popularité déterminent qui prend le pouvoir et où le public se laisse influencer par les plus belles promesses, Wilson, lui aussi, a rapidement manqué à ses engagements. 5 mois seulement après sa réélection, il a supervisé l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale et a prononcé un discours désormais célèbre, assurant le public que l'entrée en guerre des États-Unis était nécessaire pour rendre le monde sûr pour la démocratie. De même, Lyndon B. Johnson a été élu en 1964 en promettant de limiter l'engagement des États-Unis au Vietnam. Some others are eager to enlarge the conflict. Call upon us to supply American boys to do the job that Asian boys should do. Mais il ne s'agissait là encore que d'une promesse rapidement rompue par un sauveur politique. Air action is now in execution against gunboats and certain supporting facilities
in North Vietnam. Il est risible de constater que même George W. Bush ait gagné les élections en 2000 en promettant une politique étrangère américaine humble et en s'engageant à ne mener que des guerres courtes et gagnables avec des objectifs bien définis. But I'm going to be judicious as to how to use the military. It needs to be in our vital interest, the mission needs to be clear, and the exit strategy obvious. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. Mais ce schéma ne concerne pas uniquement la guerre et n'est pas propre à un pays en particulier. Partout dans le monde, des hommes politiques ont remporté des élections en promettant de réaliser l'impossible. Quel Australien pourrait oublier la promesse de Bob Hawke d'éliminer la pauvreté des enfants en 3 ans? By 1990, no Australian child will be living in poverty. Et quel Grec pourrait oublier qu'Alexis Tsipras a été porté au pouvoir avec un mandat populiste fort pour tenir tête à l'Union européenne au milieu de la crise de la dette souveraine? Μια σκληρή και δύσκολη μάχη. I want to thank you from the bottom of my heart for this great victory. I feel vindicated because the Greek people gave us a clear mandate to continue the struggle to raise up our people's dignity. Au lieu de cela, Alexis Tsipras a immédiatement endetté davantage le pays en acceptant les termes d'un plan de sauvetage de 85 milliards d'euros que même les membres de Syriza ont qualifié de trahison des promesses du parti. One day ahead of an essential parliamentary vote to secure his country's bailout deal from Eurozone creditors, Greek Prime Minister Alexis Tsipras is here trying to quell a rebellion inside his ruling coalition. Mr. Tsipras is meeting with MPs from his own Syriza party, some of whom are very disappointed and upset about a deal which includes far more austerity than the package rejected by voters at a referendum just more than a week ago. En fait, après toutes ces décennies, et dans le cadre des démocraties les plus anciennes, des siècles de promesses politiques non tenues, on pourrait penser que le public ait déjà compris le manège. Mais les événements récents ont plutôt révélé que les gens deviennent de plus en plus dépendants de cet opium politique, alors même que les mensonges et les promesses non tenues deviennent de plus en plus ridicules. En 2008, cette vague de folie politique en constante progression a semblé atteindre un crescendo lorsqu'elle s'est abattue sur les rivages de la campagne présidentielle de Barack Obama. There's something happening when people vote not just for party that they belong to, but the votes, the hopes that they hold in common. We are ready to take this country in a fundamentally new direction. That's what's happening in America right now. Change is what's happening in America. Il peut sembler ridicule qu'en 2021, que les simples mots Yes Weekend et Open Change aient pu convaincre non seulement les électeurs américains, mais aussi les peuples du monde entier, de l'intérêt de Barack Hussein Obama, un jeune sénateur américain dont la plus grande réalisation législative jusqu'alors était le parrainage d'un projet de loi visant à renommer un bureau de poste dans l'Illinois. Mais avec le recul, c'est précisément ce qui a été si efficace dans toute la campagne Hope and Change. Après 8 années de carnage néoconservateur, dans le tumulte du fiasco en cours en Irak, dans l'ombre de la montée de l'État policier à l'intérieur du pays, et face aux révélations de fraudes comptables et de malversations bancaires qui ont culminé dans une crise financière mondiale, le public espérait désespérément un changement. We will remember that there is something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. We are one nation. And together, we will begin the next great chapter in the American story with 3 words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Thank you, New Hampshire. Thank you. Peu importe que Barack Obama, comme tous les autres escrocs qui ont escroqué la majorité de la population dans ce grand concours de popularité qu'on appelle la démocratie, ait menti sur chacune de ses principales promesses électorales. Peu importe qu'il ait menti sur la fermeture de Guantanamo. I have said repeatedly that I intend to close Guantanamo and I will follow through on that. It is true that I have not been able to close the darn thing because of
the congressional restrictions that have been placed on us. Qu'il ait menti sur la fin de la guerre contre le terrorisme n'a pas eu d'importance. And that is why, as president, I will make the fight against Al-Qaeda and the Taliban the top priority that it should be. The Obama administration knowingly gave U.S. taxpayer dollars to an Al-Qaeda affiliate in Sudan. A joint I-24 News Middle East Forum investigation reveals the U.S. government gave money to a designated global terror entity placed on the U.S. sanctions list over its financial support for Osama bin Laden. Aucune importance qu'il ait également menti sur la fin des écoutes téléphoniques illégales des Américains. This administration also puts forward a false choice between the liberties we cherish and the security we provide. I will provide our intelligence and law enforcement agencies with the tools they need to track and take out the terrorists without undermining our Constitution and our freedom. That means no more illegal wiretapping of American citizens. I came in with a healthy skepticism about these programs. My team evaluated them. We scrubbed them thoroughly. We actually expanded some of the oversight, increased some of the safeguards. But my assessment and my team's assessment was that they help us prevent terrorist attacks. Aucune de ces promesses non tenues n'a d'importance, car il n'a jamais été question d'une action réelle et concrète. Si l'hystérie de masse qui a envahi le public en 2008 visait à obtenir des résultats tangibles, le comité Nobel n'aurait pas décerné le prix de la paix à M. Obama, moins d'un an après le début de son premier mandat, alors qu'il menait toujours des guerres en Afghanistan et en Irak, et qu'il étendait la guerre des drones de Bush au Pakistan. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama for his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples. Non, il n'a jamais été question d'action. Il s'agissait d'offrir aux spectateurs du spectacle politique la scène qu'ils attendaient. Le prochain messie politique est amené sur scène, il fait un signe de la main et tout va mieux. Et tout le monde retourne à ses luttes quotidiennes pour les 4 années à venir. Le rituel est terminé. En effet, après des milliers d'années pendant lesquelles les chefs d'État ont été vénérés comme de véritables dieux sur Terre, ou plus récemment comme des personnes nommées par Dieu, il n'est pas surprenant que les présidents et les premiers ministres populaires soient presque toujours représentés en recourant à l'iconographie religieuse. L'habitude de photographier les présidents avec le halo du sceau présidentiel autour d'eux n'est pas nouvelle. Mais même en tenant compte de cette histoire, la frénésie religieuse que l'apparition d'Obama sur la scène politique nationale a provoquée est, rétrospectivement, indéniablement étrange. Who is Barack Obama? Contrary to the rumors that you've heard, I was not born in a manger. I was actually born on Krypton and sent here by my father Jor-El to save the planet Earth. Dans l'hystérie de la campagne de 2008, Obama n'a pas été perçu par le public comme un candidat politique proposant une série de mesures pour améliorer le pays. Il était le dieu de la machine, le deus ex machina qui pouvait apparaître sur scène et bénir tout le monde de son absolution. Obama n'était pas seulement Superman, mais le dieu de toutes choses, un nouvel espoir envoyé par le ciel et baigné d'une lumière angélique qui représentait littéralement le second avènement. First of all, give an honor to God and our Lord and Savior, Barack Obama. Le temps que le public sorte de sa rêverie et se rende compte qu'après tout, Obama n'est qu'un politicien comme les autres. Why is Obama facing so much opposition now? Why is he struggling so much to really fulfill the great flame of ambition and excitement that he was elected on originally in 2009? Well, you've touched on it to a degree. He made so many promises. We thought that he was going to be, I shouldn't say this at Christmas time, but the next Messiah. The former director of the Norwegian Nobel Institute says he regrets awarding the Nobel Peace Prize to President Barack Obama in 2009. He lied
It's not subtle. He said there will be no spying on citizens who are not suspected of a crime. He lied. There is spying on all of us, and we are not suspected of a crime. Barack Obama is a liar. Can I make it clear? Il était trop tard. Obama avait déjà joué son rôle de prochain sauveur politique, et ayant rempli cette fonction, il pouvait être jeté comme le journal de la veille. Pour ceux qui croyaient que la campagne de 2008 était l'apothéose de la routine de l'espoir et du changement, c'était la fin de cette mascarade politique. Si l'on considère le processus d'un point de vue rationnel, on pourrait être pardonné de penser que le public a retenu la leçon et qu'aucun politicien ne pourra plus l'embobiner de la sorte tant que l'héritage d'Obama sera présent dans les mémoires. Mais il ne s'agit pas d'un processus rationnel, et ceux qui l'ont cru ne pouvaient pas se tromper davantage. Afin de ne pas laisser croire que le public était préparé à un nouveau rituel Deus Ex Machina, le dieu est cette fois-ci descendu sur la scène politique par le biais d'une machine littérale, un escalator doré. Et depuis son estrade, ce dieu a lui aussi apporté de bonnes nouvelles à la foule en liesse. Le pays est sauvé une fois de plus. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. It can happen. Le lendemain, il a été révélé que la scène était une véritable mise en scène. La foule en adoration n'était pas composée de sympathisants de Donald Trump qui avaient tous décidé spontanément de porter les mêmes t-shirts Trump et de poser maladroitement avec leurs pancartes « Faites maison » devant les caméras, mais, comme l'a confirmé plus tard une enquête de la FEC, d'acteurs payés $50 chacun par l'agence Extra Mile Casting pour le compte de son client Gotham Government Relations and Communications. Mais cela n'avait pas d'importance. Comme toutes les itérations du scénario du président Messi qui l'ont précédé, le psychodrame Make America Great Again de Trump produisait déjà l'effet escompté sur la population. D'une certaine manière, MAGA n'était qu'une répétition du modèle Hope and Change d'Obama. Ici aussi, le candidat Trump a promis la lune que le président Trump n'a pas réussi à décrocher. Il n'a pas asséché le marais. And we are going to drain the swamp of corruption in Washington, D.C. We're here to celebrate the swearing-in of America's new Secretary of State, Mike Pompeo. We are going to drain the swamp. President-elect Trump has named the former New York City Mayor Rudy Giuliani to lend his expertise on cybersecurity. It is time to drain the swamp. Gina is tough, she is strong, and when it comes to defending America, Gina will never, ever back down. I know her. Il n'a pas mis fin aux guerres. And look at the mess we have. We've destabilized the Middle East, and it's a mess. A short time ago, I ordered the United States Armed Forces to launch precision strikes on targets associated with the chemical weapons capabilities of Syrian dictator Bashar al-Assad. Obviously, the war in Iraq was a big, fat mistake, all right? The consequences of a rapid exit are both predictable and unacceptable. Il n'a pas tenu tête au complexe médico-industriel. Just the other day, 2 years old, 2.5 years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic. I hope we're going to have a vaccine and we're going to fast track it like you've never seen before. Tout comme Obama, Bush, Clinton et tous les autres sauveurs politiques de l'ère moderne, Trump a rompu ses promesses à volonté. Sachant, en tant que star de la télé-réalité qui avait longuement prouvé ses talents,
que gouverner n'était pas son véritable rôle dans cette pièce de théâtre. Il était venu pour divertir le public et sauver le pays, pas pour tenir ses promesses. Et à l'instar de l'Obama-Messie, Trump a endossé le rôle de divin rédempteur de la nation, après le Christ lui-même. Somebody said to me the other day, you're the most famous person in the world by far. I said, no, I'm not. No, I'm not. They said, yes, you are. I said, no. They said, who's more famous? I said, Jesus Christ. Trump nous a assuré que le peuple juif d'Israël l'aimait comme le second avènement de Dieu. Une fois de plus, le président était présenté comme envoyé par le ciel, un homme choisi par Dieu lui-même pour ramener l'Amérique sur la terre promise. And I shared with him, I said, Mr. President, I know there are people that say, you know, you said you were the chosen one. And I said, you were. I said, if you're a believing Christian, you understand God's plan for the people who rule and judge over us on this planet in our government. And less people on the left attack Rick Perry, he pointed out to me, he believes Barack Obama was sent by God as well. He said, for that moment and that time, he said, he thinks for this moment and this time, Donald Trump was sent by God to do great things. Ou, comme l'ont dit les internautes qui ont contribué à donner de l'élan au train Trump pendant la campagne de 2016 dans leur mème populaire, Trump était le dieu empereur, un géotus qui frapperait les méchants et posséderait les libéraux. Oui, le scénario de Trump semblait n'être qu'un simple remaniement du scénario d'Obama. Mais ce n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas de la même intrigue que Hope and Change. Le scénario de Make America Great Again était plus excitant. Dans la pièce de théâtre MAGA, le dieu de la machine était lui-même en difficulté et devait être sauvé des forces puissantes et maléfiques qui se liguaient contre lui. Et cette fois, le dieu lui-même serait sauvé par son propre dieu de la machine. Ce scénario impliquait un incroyable double Deus ex machina. Le dieu qui allait sauver l'empereur Trump n'était cependant pas du tout une personnalité politique, mais une entité anonyme et obscure. Et la machine qui l'a délivré n'était pas un escalator doré, mais un forum de discussion en ligne. QAnon movement appears to be gaining a lot of followers. That a shadowy anonymous figure. QAnon, a fringe conspiracy theory. Maybe it's the calm before the storm. QAnon conspiracy theory is spreading around the world. They like me very much. Q's plan saved the world. They're on the inside, they're the good guys. Le phénomène QAnon a commencé le 28 octobre 2017, lorsque Q, un utilisateur du forum politiquement incorrect de 4chan, le site web anonyme d'images, a publié un message affirmant qu'une opération militaire massive était en cours pour arrêter Hillary Clinton et faire tomber la cabale de politiciens maléfiques qui remplissaient le marais de Washington. L'extradition de Hillary Rodham Clinton est déjà en cours depuis hier avec plusieurs pays en cas de fuite transfrontalière. Le passeport sera utilisable à partir du 30 octobre à minuit 1. Il faut s'attendre à des émeutes massives organisées en signe de défi et à ce que d'autres personnes fuient les États-Unis. Les marines américains mèneront l'opération pendant que les forces armées nationales seront activées. Preuve, localisez un membre de la garde nationale et demandez-lui s'il est en service le 30 octobre dans la plupart des grandes villes. Quelques jours plus tard, l'internaute anonyme assurait à ses adeptes de 4chan l'inculpation imminente de John Podesta et Uma Abedin, deux personnes proches de la campagne Clinton. Et le 2 novembre, moins d'une semaine après le premier message, l'internaute se faisait appeler Q Clearance Patriot et affirmait qu'au cours des prochains jours, vous réaliserez sans aucun doute que nous sommes en train de reprendre notre grand pays. Sur ordre de POTUS, nous avons mis en place certaines mesures de sécurité qui protégeront le public des principales retombées qui devraient se produire le 11 novembre, à l'annonce de l'arrestation de M. Podesta. Action possible le 11-4. La confirmation publique de ce qui se passe sera alors révélée et ne sera pas acceptée ouvertement. Des émeutes publiques sont organisées en grand nombre afin d'empêcher l'arrestation et la capture d'autres hauts fonctionnaires. Sur ordre de POTUS, un état de contrôle militaire temporaire sera mis en place et des opérations spéciales seront menées. À tous les égards, ces premiers Q-drops illustrent le phénomène QAnon qu'ils ont engendré.
Ils reprennent le langage et les mots de code des opérations gouvernementales classifiées, comme Mockingbird et Q-Clearance. Ils prétendent transmettre des informations d'initiés sur des événements politiques de haut niveau, prédisant même des événements spécifiques à des dates précises, comme l'annonce de l'arrestation de Podesta et le début d'un coup d'État militaire. Et ils posent une série de questions rhétoriques vagues. Pourquoi POTUS s'entoure-t-il de généraux? Qu'est-ce que le renseignement militaire? Pourquoi contourner les agences à trois lettres? Qui semblent importantes sans fournir de connaissances ou d'informations spécifiques. Le fait qu'aucune des prédictions ou déclarations spécifiques de cet internaute ne se soit réalisée n'a pas eu d'importance. En fin de compte, un mouvement entier allait naître, dédié à la lecture, à l'analyse et à la diffusion de l'évangile de ce nouveau dieu de la machine qu'ils appelaient Q. The good guys with control over the NSA began the Q intelligence dissemination program to invoke an online grassroots movement that came to be called the Great Awakening. It started on underground internet channels and then moved to the mainstream. The ironic thing was that when I started reading Q's posts, for me, it was like, oh yeah, okay, sure. People who worship Satan in our government. I have to speak up again for QAnon and the importance of what I'm convinced is a military intelligence operation that is, for the first time, assisting us. He is someone that is very much loves his country. And he's on the same page as us. The truth is, I was so relieved that there were very obviously a resistance happening to the massive corruption that had been growing in our country for so long. The reason why people are grateful for my Q decodes is that Q gives people hope. Au fur et à mesure que la notoriété de Q grandissait, ses prédictions, ses promesses et ses déclarations devenaient de plus en plus grandioses. Les adeptes devaient s'attendre à des faux drapeaux et à des feux d'artifice, mais le président serait isolé à 100%. On les a exhortés à faire confiance à Jeff Sessions, et on leur a assuré que le 1er février 2018 serait le grand jour. On leur a promis un défilé qui ne serait jamais oublié le 11 novembre 2018. On leur a assuré que Mark Zuckerberg quitterait la présidence de Facebook. Juillet 2018 serait le mois où le monde découvrirait la vérité, Q affirmant qu'il n'y aurait plus de conspiration. Bien sûr, chacune de ces déclarations était catégoriquement fausse. Mais comme Q l'a enseigné à ses disciples, la désinformation est réelle et la désinformation est nécessaire. Ces fausses prédictions étaient en fait des signes que Q disait la vérité. Cela n'avait pas de sens, mais c'était nécessaire. Tout ce qu'il fallait faire, c'était remplir d'opium les spectateurs du spectacle politique, en leur faisant croire que ce nouveau dieu de la machine allait débarquer avec ses compatriotes de Q-Clearance et sauver la situation au dernier moment. Il est remarquable que cette croyance ait persisté même après le dernier moment. And Q is having them focus on something over there while something over there is actually going on. That's the necessary part of disinformation. Donald Trump will continue to be the president of the United States for the next 4 years. There's no doubt in my mind. When I'm asked on a scale of 1 to 10, what's the scale that you put that Trump will be the next president, I say 10, without a doubt. What happened was we watermarked every ballot with what's called the QFS blockchain encryption code. In other words, we know pretty well where every ballot is, where it went, and who has it. So this is not a stolen election. On the contrary, we reversed the entire game of war along the lines of Sun Tzu, The Art of War. I just want to acknowledge, because I've gotten a lot of emails today from people who are feeling absolute desperation. They think that this thing is over and that President Trump is not going to be able to do anything to stop it. I want to remind you of Sun Tzu's Art of War. Make your opponent think you're weak, look weak, be strong. We've got 72 hours to save the Republic. It's not over until the fat lady sings. Wait until you see the election audit results. Remember, multiple states now are visiting Arizona. You think this is just going to stop with Arizona? No, this is where it begins.
Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Q est devenu si populaire. Comme tout bon Deus Ex Machina, Q promettait d'offrir aux spectateurs du drame politique actuel exactement ce qu'ils voulaient. Une résolution divertissante, excitante et satisfaisante de la pièce délivrant le héros Trump du mal, les démocrates, juste à temps. Ce n'est pas une coïncidence que « Enjoy the show » et « Get the popcorn » soient devenus les expressions favorites de Q et des adeptes de QAnon. Après tout, il ne s'agissait que d'un spectacle. Un drame scénarisé, conçu pour jouer avec la psyché du public. Mais s'il s'agissait d'un scénario, quel en était l'intérêt? Il est facile de comprendre la version présidentielle du scénario du Deus Ex Machina. Il permet aux gens de continuer à voter et à participer à un système qui poursuivra son programme, indépendamment de la personne qui occupe le bureau ovale. Mais quel était le but du scénario de QAnon? Quel était le public visé par ce psychodrame et quel effet a-t-il eu sur lui? L'indice se trouve dans les exhortations constantes de Q à faire confiance. Faire confiance à Sessions, faire confiance à Gracely, faire confiance à POTUS, faire confiance au plan. La terminologie, ainsi que la méthodologie de l'opération Q, évoque l'opération Trust, un programme de contre-espionnage soviétique des années 1920, qui a pris le contrôle d'une organisation pro-monarchiste, l'Union monarchiste de Russie centrale. Les soviétiques ont utilisé des agents au sein de l'organisation pour persuader les membres qu'ils ne devaient pas s'engager dans des activités militantes contre le gouvernement parce qu'un plan était en cours pour que des forces anti-bolcheviques internes renversent le régime. Faites confiance au plan. Dans ce cas, faire confiance au plan a conduit les membres de l'opposition soit à être jugés et envoyés dans les goulags, soit à faire l'objet d'un chantage pour travailler pour les services de renseignement soviétiques. Q a certainement apaisé de nombreuses personnes en les invitant constamment à faire confiance au plan. Q a également rallié les gens à maintes reprises pour soutenir les politiques, les opérations et le personnel de l'État profond qu'ils étaient censés combattre. Soudain, Jeff Sessions, Bill Barr, John Bolton et d'autres membres de longue date de l'establishment politique sont devenus les gentils de ce drame élaboré. 99% des agents de la CIA, du FBI, du DOJ et de la NSA étaient des patriotes qui servaient avec distinction et devaient donc être soutenus. Le rêve néoconservateur d'envahir l'Iran, qui dure depuis des décennies, est devenu, aux yeux des adeptes de Q, une bonne et noble cause. Mais au-delà de la pacification de ceux qui auraient autrement résisté au gouvernement, l'armée Q, composée de soldats numériques autoproclamés, a constitué le fer de lance dont l'État profond avait besoin pour passer à l'étape suivante de son programme de lutte contre l'insurrection, la répression du terrorisme intérieur. While QAnon has become tied to the president, it has also caught the attention of the FBI, along with a growing number of other fringe theories. In an internal memo, the Bureau warned some of those conspiracy theories will likely motivate some domestic extremists to commit criminal, sometimes violent activity. The FBI says January's riot at the Capitol was a turning point for the conspiracy movement QAnon, with some followers dropping out, disappointed that the promises of the person behind it, known as Q, haven't come to pass. But others, the FBI says, may become so frustrated they turn more to violence, such as, quote, harming perceived members of the cabal, such as Democrats and other political opposition. But I think the reality is that what you're seeing, all this activity by the FBI, by law enforcement, to go after and arrest people, that's all great, but that's all right of the boom. And in intelligence, you really want to be left of the boom. You want to be way out ahead of the events. And I think we're going to have to reset our entire intelligence approach to these white supremacist militias, these dangerous ultra-nationalist organizations. I think we're going to have to look at a greater surveillance of them. The FBI is going to have to run confidential sources. We're going to have to penetrate these plots long before they present a violent threat to our democracy if we want to have any hope of stopping these in the future. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. Aujourd'hui, après s'être fait dire pendant des années de sortir le pop-corn et de profiter du spectacle, le mouvement QAnon commence lentement à se rendre compte qu'il s'est fait avoir.
Pire encore, les agences de renseignement et l'armée qu'ils espéraient avec tant de ferveur voir débarquer et sauver la situation sont celles-là même qui débarquent aujourd'hui pour les arrêter. Mais QAnon est loin d'être la première fois où l'espoir a été injecté dans les veines de la communauté des chercheurs conspirationnistes. Dans les années 90, un consultant en enseignement de l'industrie de l'énergie, Harvey Francis Barnard, a proposé un ensemble des réformes du système monétaire et fiscal américain appelé National Economic Security and Recovery Act, ou NESARA. Il a auto-publié un livre décrivant sa proposition, en a envoyé des exemplaires aux membres du Congrès, a créé un institut pour promouvoir l'idée et en 2020 a publié sa proposition sur Internet. C'est alors que le NESARA est devenu la pièce maîtresse d'un canular élaboré, promulgué par un charlatan en ligne se faisant appeler la colombe de l'unité. Dans cette histoire, le projet de loi NESARA est un miracle. Il abolit l'impôt sur le revenu, efface les hypothèques, annule les cartes de crédit et déclare la paix. Plus miraculeux encore, dans un geste stupéfiant connu seulement de la colombe de l'unité, le projet de loi avait été secrètement adopté par le Congrès et devait entrer en vigueur le 11 septembre 2001, raison pour laquelle le World Trade Center a été détruit. Mais, comme tout bon drame, cette histoire comportait aussi un deus ex machina pour que le public internet de la colombe reste accroché et apprécie le spectacle. Les Chevaliers Blancs, un groupe clandestin de braves gens qui occupaient des postes élevés au sein de toutes ces institutions, qui en avait assez du statu quo et qui préparait un coup d'État qui allait se produire très bientôt. Tout comme pour Q, le culte qui s'est développé autour du mythe de NESARA, avec ses dieux chevaliers blancs de la machine, a promis des événements à des dates précises. Chaque fois qu'une prédiction ne se réalisait pas, les adeptes étaient rassurés sur le fait que le coup d'État tant promis avait été retardé afin que les chevaliers blancs puissent mieux préparer le public au pandémonium qui s'ensuivrait lorsqu'ils débarqueraient pour sauver la situation. En attendant, les adeptes pouvaient sortir le pop-corn et profiter du spectacle, sachant que toutes leurs dettes seraient bientôt effacées et que la paix sur Terre était au coin de la rue. Et le nom du livre dans lequel Barnard a exposé pour la première fois sa proposition NESARA, Assécher le marais. Oui, l'histoire du Deus Ex Machina revient tous les quatre matins sous des formes différentes. Un ordre secret de ninja se prépare à assassiner les méchants Illuminati et à ramener la paix dans le monde. Une réserve secrète de billions de dollars est sur le point d'être distribuée aux habitants de la planète, mettant fin ainsi à la pauvreté. Un réalignement cosmique va avoir lieu le 21 décembre 2012, élevant l'humanité à un niveau de conscience supérieur et mettant fin à tous les conflits et à toutes les souffrances. Un internaute anonyme sur 4chan divulgue des informations confidentielles sur un gentil coup d'État militaire qui rétablira l'ordre et assèchera le marais. Le message est toujours le même. Sortez le pop-corn et profitez du spectacle. Le dieu sort de la machine pour vous sauver. Il suffit d'attendre. Il n'y a pas de honte à se laisser berner par l'opium une fois de plus. Tout le monde a du mal à distinguer le véritable espoir de l'opium synthétique lorsqu'il le rencontre pour la première fois. Moving on, one of your former close aides recently said that you, quote, engaged in conspiracy theories, including perhaps the 9/11 attacks were coordinated with the CIA and that the Bush administration might have known about the attacks ahead of time. So, have you ever expressed in front of anyone... No, wait. Don't go any further than that. That's complete nonsense. It's nonsense. Just stop that. That's not nonsense. True. I never bought into that stuff. I never talked about it. Okay. About the conspiracy of Bush knowing about this? No, come on. Let's be reasonable. Okay. That's just off the wall. La même histoire se répète sans cesse. La foule commence à se désintéresser du jeu politique. Elle commence à soupçonner qu'il s'agit d'un faux, que la réalité se déroule quelque part en dehors de la scène et à l'abri des regards. Elle commence à réaliser qu'elle n'est pas du tout spectatrice, mais une participante active, capable de façonner le monde qui l'entoure. Et puis arrive un dieu sorti d'une machine qui colporte de l'espoir, et le public se remet à profiter du spectacle. Il ne s'agit pas de dénigrer l'instinct religieux qui pousse les humains à chercher un sauveur dans les cieux. Au contraire, ceux qui ont une foi religieuse devraient être les plus offensés par ce scénario de dieu de la machine qui voit leurs croyances divines les plus chères cyniquement jouées par des prétendus dirigeants politiques se faisant passer pour des dieux. Bien sûr, l'espoir colporté par ces faux dieux est séduisant. Il est conçu pour l'être. Il joue sur l'une de nos plus grandes capacités en tant qu'être humain,
notre capacité à espérer, la croyance que nous pouvons rendre le monde meilleur et que nous ne sommes pas condamnés à attendre éternellement que le dieu de la machine nous délivre de nos problèmes. Mais l'opium n'est pas l'espérance. Comme l'opium, qui se lie aux récepteurs opioïdes du cerveau pour soulager temporairement la douleur, l'opium est une construction synthétique, fabriquée par l'homme, qui nous offre un simulacre d'espoir. Et, comme l'opium, peut perturber nos vies, nous plonger dans l'inactivité et nous faire souffrir de manque en son absence. Non, nous ne devons pas abandonner l'espoir lui-même. Faisant partie du triumvirat de la foi, de l'espérance et de la charité, l'espérance est une vertu qu'il faut chérir. L'espérance véritable est le carburant que l'homme utilise pour se propulser vers ses objectifs. Sans espoir, il n'y aurait aucune motivation pour faire quoi que ce soit afin d'améliorer notre situation. Mais c'est là toute la différence. L'espoir nous pousse à aller de l'avant et à essayer d'améliorer notre situation. L'opium, quant à lui, nous convainc que quelqu'un d'autre s'est occupé du problème. Que nous pouvons nous asseoir, sortir le pop-corn et profiter du spectacle. Comme le vendeur de drogue au coin de la rue, les politiciens et les bonimenteurs sont toujours prêts à satisfaire leur clientèle avec une dose d'opium. Et le public, le plus souvent, n'est que trop heureux de l'accepter. Mais l'opium est une drogue mortelle. Et le dieu de la machine n'est rien d'autre qu'un piètre tour de passe-passe. Rien ne changera tant que nous ne cesserons pas de profiter du spectacle et que nous ne nous rendrons pas compte que nous ne sommes pas des spectateurs qui regardent l'histoire se dérouler depuis les coulisses. Nous sommes les acteurs de l'histoire. Et, animés d'un véritable espoir, nous pouvons changer le monde et nous le ferons. Change the world. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de vous offrir un contenu toujours plus qualitatif, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à me soutenir sur Tipeee ou LiberaPay. Car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Votre contribution est donc primordiale. N'hésitez pas non plus à visiter mon site jeannetraduction.fr pour y consulter l'intégralité de mes vidéos triées par thème. Vous pouvez lui apporter de la visibilité en le partageant sur vos réseaux. Merci à tous. Et à très bientôt.